La bibliothèque, c'est pas juste des livres. Le musée, c'est pas juste un musée aussi. C'est vraiment du partage, du savoir. On se transmet des choses. Il y a une volonté en 2018 de rénover ce bâtiment qui était l'ancien presbytère. Les travaux ont débuté en 2019 et donc il a été inauguré en 2023. L'objectif étant de créer un pôle culturel sur la commune de Villargondran. Nous sommes actuellement donc au rez-de-chaussée dans le musée Rosine Perrier. Il y a également la bibliothèque au premier étage et une salle d'exposition au sous-sol. Ici, on se trouve au musée de la Résistance, nommé en l'honneur de Rosine Perrier, qui a rassemblé tous les documents qu'on peut trouver autour de nous à travers différents témoignages de personnes qui ont vécu la Résistance dans la Maurienne et en Savoie. Pour le rendre plus interactif, nous avons numérisé 2500 documents. Nous avons aussi une salle de projection avec un film à visionner, La Résistance en Maurienne. Nous avons également des reproductions et des œuvres historiques de la Résistance en Maurienne. On peut retrouver en bas donc la salle d'exposition qui est plutôt atypique avec de la vieille pierre. Exposition qui est justement sur la période 1940, les combats et la résistance en France. C'est une exposition temporaire. On a envie de proposer d'autres thématiques tout au long de l'année, à travers des expos, à travers des animations, des événements. Voici l'espace bibliothèque au premier étage du pôle culturel. On a environ 3000 documents, dont une grosse partie qui est prêtée par la bibliothèque départementale et donc renouvelée à peu près tous les mois. On invite bien sûr chaleureusement les gens à venir s'inscrire, sachant que l'inscription, elle est gratuite pour tout le monde, peu importe l'âge, peu importe le lieu de résidence. La bibliothèque, c'est pas juste des livres. Le musée, c'est pas juste un musée aussi. C'est vraiment du partage, du savoir. On se transmet des choses. Ça permet d'avoir un certain flux de visiteurs qui peuvent circuler entre les trois éléments qui peuvent aussi se compléter.